What's up, yo, c'est Prince, de Relax One, c'est Prince, de Relax One. Hey, je suis pas dans ma chambre là, je suis dans la chambre de ma sœur, big up. Et est-ce que vous m'entendez bien? Je sais pas, je mets tout au maximum là. Et là, vous m'entendez mieux? C'est Prince, de Relax One, hey, on va réagir vite fait. Là, j'ai profité que je vais bientôt sortir, j'ai profité qu'il y a personne chez moi. Et en même temps, j'étais prêt à sortir. On va réagir à Vladimir Cauchemar, Freeze Corleone, Seth Ghetto, les professeurs. Official lyric vidéo. So, je sais qu'il n'y a pas de clip. So, j'ai fait les paroles. Mais on verra toujours après les paroles. Tout est préparé. So, j'ai entendu un peu la musique. J'ai entendu sur Insta. Juste la partie de Freeze Corleone. Mais j'ai juste écouté comme ça. Je n'ai pas regardé les paroles, rien. Et ah oui, ici à La Réunion, il y a le couvre-feu maintenant. Damn! Moi, j'étais là, j'étais en train de dire, ouais, ici à La Réunion, il n'y a rien. En France, vous goûtez le couvre-feu, le confinement. Ici, il n'y avait rien. Voilà. Voilà, il faut pas trop parler dans la vie, you know, so, pas plus de blabla. And let's motherfucking go. J'ouvre la fenêtre, ça crie, oh la pu. Fuck la stu, oh la pu. Pu. Elle passe dans le checks, tout le monde crie, oh la pu. N'a pas réussi à Kenita. Corleone, Gecko, négro j'ai la vision comme déco. Là pour les mignons comme Echo. T'es sur la noire mode Echo, grosse frappe comme Eto. J'suis der, j'suis gun, t'es comme Netto. Je sens la lave dans le plastique. Cali, oui, pas de CBD. Deux cartes en métal, une en plastique. Shenzhen, CEO, pas de CDD. Win, ça fond comme IM3. Cause plus d'essence que DM3. Codéine, sirop, j'crois que j'ai consommé au moins 110 M3. Concurrence, vous rappez comme des enfants. Peine de mort pour les prêtres catholiques qui prient Satan et qui violent des enfants. Les MIB, fuck un vaccin, fuck une puce RFID. 2030, négro dans mon compte, il faut plus de chiffres qu'une adresse IP. 7 Gex, Shenzhen. Sur la prod, c'est les professeurs. Dans les iPhones comme les processeurs, c'est pour les connaisseurs, pas pour les connaisseurs. Équipe, j'ouvre la fenêtre, ça crie. Oh la pu. Fuck la stu, oh la pu. Pu. Elle passe dans le checks, tout le monde crie. Oh la pu. Hey, Chris Corleone, il est fou. Si le rap est plus Marley, j'irai au braquouille à foy. Parle de pédophilie dans l'église et tous les quatre s'affolent. Avis général. Bon, l'instru, elle est un peu bizarre. Non, pas bizarre, mais... C'est de la drill, ça? Je me demande si c'est de la drill. Je sais pas. So, le refrain. J'ouvre la fenêtre, ça crie. Oh la pute. Fuck la stup. Oh la pute, pute. C'est quoi la stup? Fuck la stupéfiant, stupide. Je sais pas. Dites-le moi. Elle passe dans le texte, tout le monde crie. Tout le monde crie, oh la pute. Texte, quartier. Ok. Refrain. Pas vraiment fan, mais on peut dire, ouais. Tu vois, ça te fait bouger la tête, quoi. Mais vous savez, je suis pas fan de ce genre de refrain. Mais bref, Corleone, ghetto. Freeze Corleone, il aime bien faire ça. Genre, il dit, Shenzhen. Inoko, Django, je sais plus où est-ce qu'il dit ça. Il donne les noms au début. Négro, j'ai la vision comme déco. Vision comme déco. Déco, c'est pas un magasin, ça, en France? Je sais pas. Grosse frappe, comme Eto. Footballeur, je suis Ter Stegen, t'es comme Neto. Je pense que ça reste dans le football, ça, parce que moi, je suis pas trop football. Tu sens la loud dans le plastique, Caliweed, pas de CBD. CBD, c'est quoi? Dites-le moi, je sais pas du tout c'est quoi CBD. Deux cartes en métal, une en plastique, Shenzhen, CDD. En vrai, la partie que j'ai envie de vraiment réagir, c'est... On va sauter tout le IM3, 10M3, 110M3. Concurrence, vous rappez comme des enfants. Damn! Je sais pas de qui il parle, s'il vise quelqu'un, mais concurrence, vous rappez comme des enfants. Peine de mort pour les prêtres... Cato qui prie Satan et qui viole des enfants. Ah, je viens de recevoir un message de ma mère. Pile poil où je parle de ça, je reçois un message de ma mère. Vous savez que mes parents, ils sont pro-catholiques. Bon, plus mon père. Mais damn, tu peux pas leur dire le contraire. Dès que je parle du truc du Vatican, mes parents là, ils disent, ouais, arrête, ça sort de internet, tout ça. Moi, je dis plus rien. Maintenant, ils regardent. Ils font ce qu'ils veulent. Donc, peine de mort pour les prêtres cato qui prient Satan et qui violent des enfants. Encore une fois, j'ai pas mon coup, il les croit là, mais encore une fois, je suis catholique chrétien, comme je vous l'ai dit. Je vous ai dit, mais je ne crois pas à tout ce qui est Vatican, pape, évêque, tout ça. Désolé, c'est comme ça, c'est la vie. J'arrive pas à croire à cette religion. Je vois même pas dans la Bible où c'est écrit à ça, en fait. Le chemin, Jésus a dit de le suivre, pas de suivre les prêtres, pas de suivre le pape, pas de suivre tous ces gens, on va pas dire bizarre, mais voilà quoi. So, ok, chrétien catholique, ok, je suis.
Mais Vatican, tout ça, je ne suis pas leur team. Vous savez bien pourquoi. Vous savez, le Vatican a une réputation de pédophilie. Vous savez déjà. Maintenant, il faut que le Hollywood et les hommes politiques aient cette réputation-ci. Parce que quand on dit Vatican, ok, tout le monde dit « Ouais, les prêtres au Vatican, ce sont des pédophiles. » Ok, ça, tout le monde a compris. Je ne dis pas que, je dis pas le contraire. Mais maintenant, il faut que Hollywood, il goûte aussi à cette réputation et les hommes politiques. Parce qu'il y a des preuves qui sortent. Et qui prie Satan, of course. Ils font semblant de dire qu'ils prient Dieu, mais eux, leur Dieu du soleil, c'est pas le même Dieu que nous. Eux, leur Dieu, c'est Satan, c'est Lucifer, tout ça. So, faites attention, lisez la Bible, croyez en Dieu. Croyez en Dieu, ne croyez pas en l'homme. C'est tout ce que j'ai à dire sur ça. Et qui violent des enfants, bien sûr. Vous savez, le réseau de tous ces hommes sataniques-là. Noir sur noir, comme le MIB. Men in Black, noir sur noir, Men in Black, vous savez. Fuck un vax, fuck une puce RFID. Donc, cette... vous savez tous que le vax, dès qu'on dit ça, il y a des censures. Dès que tu dis un truc contre leur idéologie de vax, on te censure. So, on va juste dire vax ou Xinva. Et fuck une puce RFID. Je ne sais pas c'est quoi la puce RFID, mais on sait tout ce que ça parle de. Mettre une puce dans le corps humain parce qu'ils veulent nous transformer en robots. Ils veulent qu'on soit des robots de la société. Ça, vous le savez tous. Pas besoin d'expliquer. Voilà pourquoi on boycotte le Xin. Xinva. 2030, négro, dans mon compte, il faut plus de chiffres qu'une adresse IP. C'est fou parce qu'il dit 2030. Dans les agendas complotistes, il y a agenda 21. C'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment-là, l'agenda 21. Allez voir c'est quoi l'agenda 21, allez voir pourquoi ils ont mis le confinement, pourquoi... vous allez voir, vous allez connecter tout dans votre tête. Et l'agenda 30, si je ne me trompe pas, oh, je ne sais pas s'ils vont me censurer, mais l'agenda 30, c'est la suppression de toute monnaie espèce. Genre, ils vont tous transformer en monnaie numérique et après, ça va aller plus loin en monnaie internationale. Dans le complot, a encore raison, 10 ans avant. Il faut plus de chiffres qu'une adresse IP. Ok, il veut de l'argent plus qu'une adresse IP. Et vous savez, l'adresse IP, c'est méga long. So, on veut tous être riches. You know? Safe guess. Oh, je veux parler de safe guess après. Qu'est-ce que j'ai à dire? Frisk Orléans, il a fait du Frisk Orléans. Est-ce qu'on a trop de ce genre de Frisk Orléans? Est-ce qu'on fait une overdose de ça? C'est ça la vraie question. Dites-le-moi si vous faites une overdose de ce Frisk Orléans-là. Moi, perso, non. C'est pas parce que je suis fan, c'est pas parce que je suis dans le complot, mais est-ce qu'on fait une overdose de Booba qui fait de l'autotune? Est-ce qu'on fait une overdose de rap américain, on va dire? Est-ce qu'on fait une overdose de Future qui fait du autotune? C'est ça la vraie question. Ok, on a compris, Frisk Orléans, il est dans le complot, il veut dénoncer totalement ça. Ok, mais moi perso, je fais pas une overdose. So, dites-le moi et on va passer à Seth Getz. Elle passe dans le checks, tout le monde crie. Oh la, oh la pute. N'a pas réussi à Kenita coller une répute. S'il rappait plus Marley, j'irais au braquouille à foille. Parle de pédophilie dans l'église et tous les quatre s'affolent. J'suis dans la zine, cuit, j'suis pas venu laver les casseroles. Les haters veulent nous faire du scroll façon Dragon Malfoy. Tu vas prendre cher comme Luna Colasson, oui. Tatoué de tout part, j'me sens comme Tupac oh la zombie. Je ne mange pas de disquette, crois pas que tout part de la Fashion Week. Le style vient de la street, arrêtons de leur faire de la pub gratuite. Je viens de voir ton clip, arme factice et putain botox. J'aime bien que l'instru descend. Mannequin sur Insta, c'est comme être militaire sur Call of. Avec son Call of par la mer, va dormir, m'a dit je suis ton père. Headshot. J'ai regardé dans mon caleçon, mes bonnes m'ont dit je suis ta père. J'ouvre la fenêtre, ça crie, oh la pu. Classe-tu, oh la pu. Pu. Oh, j'aime bien ça. Être modeste sur Insta, c'est comme si j'étais un soldat sur Call of. Oh shit, ok. Oh non, j'aime bien. So damn TV. TV international. Oh non, j'aime bien. J'allais dire, ouais, Safe Ghetto, le refrain, il est pas trop ça. Mais le couplet là qu'il ça. So, oh, j'aime bien. Ah, voilà. Safe Ghetto, je le connaissais pas du tout. Mais je l'ai découvert grâce à... Lydie Instagram, une modèle en France. C'est fou, hein?
J'ai découvert Steph Ghetto grâce à Lydie Instagram. Bon, big up à Lydie. Moi, je la kiffe. Je suis abonné. J'étais abonné à son compte, son premier compte. Plein d'abonnés. Puis, je pense qu'elle a quitté Instagram. Elle a fait Snap. J'étais abonné à son Snap. Puis, grâce à son Snap, j'ai retrouvé son Instagram. Et là, je suis de nouveau abonné à Lydie. So, big up, Lydie. En plus, elle est malgache comme me, you know. That's the fame, you know. C'est la famille. So, couplet numéro 2. Steph Ghetto. Steph Gecko. Gecko, voilà. Si je rappe, si le rap paye plus, Melich, j'ai un rack au foie. Je comprends pas. Mais parle de pédophilie dans l'église et tous les cathos s'affolent. Comme j'ai dit précédemment, couplet juste avant. Ça fait un headshot. Earth shot à tous les cathos. Earth shot. Pas headshot, mais earth shot. Quand on dit tous les pro-catholiques, hein, tous les pro-Vatican. On va dire plus pro-Vatican. Quand on leur dit, ouais. Le pape, tout ça, et le pape, les évêques, tout ça. C'est des péphiles, quoi. C'est des péphiles. Il dit, non, tu t'attaques à Dieu, tu vas aller en enfer. Ça se fait pas, tout ça. Bitch, shut the fuck up, you know? Il y a des preuves. Il y a des évêques qui se sont fait arrêter. Il y a des papes. Jamais, il n'y a pas de fumée sans feu, you know? Rien ne sort de l'imagination, surtout des complotistes. Surtout des complotistes, je dis. Si aujourd'hui, on dit que le système arrive à changer le climat. C'est pas qu'un jour on se réveille et se dit ah, le système il est méchant donc il va changer le climat. Non, c'est parce qu'il y a une fausse neige qui tombe en Amérique, en France. C'est parce qu'aujourd'hui il faisait, on va dire exemple, hein, aujourd'hui il faisait 40 degrés et dans deux jours il va faire 28 degrés. Ça se fait pas ça. C'est pas naturel tout ça, you know. Donc, on a une pensée, on essaye de calculer, on essaye de chercher une logique. C'est tout. Rien ne sort de notre imagination. Voilà pourquoi les gens nous traitent de complotistes. Mais it is what it is. 2021, complotistes, ils ont eu plus raison que tous vos professeurs mélangés. Je suis dans la sinque, je ne suis pas venu pour laver les casseroles. Il est de la cuisine, il n'est pas venu pour laver les casseroles. So, qu'est-ce que je pense? L'image dans ma tête qui va en premier, c'est que il est venu pour manger, mais il n'est pas venu pour débarrasser. So, ou bien, il est venu pour bosser, parce que dans la cuisine aussi, il y a cette image où je viens de la kitchen, c'est pour bosser, mais pas pour laver les casseroles. Je veux dire, lui, il vient juste pour bosser, mais il ne vient pas nettoyer tout le dégât qu'il a fait en bossant, tu vois. Mais après, ça se peut qu'il y a d'autres choses, hein. C'est qui Luna Corazon? Oui, tatoué de toutes parts, je me sens comme Tupac en lasant. Mais big up à Tupac en lasant, mais... Je vais pas spoiler. Non, je vais rien dire. Big up à Tupac. Oh, big up. R.E.P. à Tupac. Oh, la Zambi, l'un des meilleurs rappeurs au monde. Crois pas que tout part de la Fashion Week. Je sais pas qu'est-ce qu'il veut dire par là. Le style vient. Ah, d'accord. Le style vient de la street. Il est en mode style street. Mon image de cela, c'est que il s'habille en street. C'est-à-dire qu'il supporte les marques de ses potes dans le quartier, mais pas les grandes marques Fashion Week, Prada, tout ça. Je veux juste dire ça. J'espère que vous avez compris. Meilleure phrase, être mannequin sur Insta, c'est comme être militaire sur Call of. Bam, headshot à toutes les mannequins sur Insta. Bam, bam, bam. Ah, je suis mannequin sur Insta. C'est comme être militaire sur Call of. Damn, damn. Ah, c'est comme... Ah, comment dire ça? Ben, je suis gangster sur GTA, par exemple. Voilà ça. So, juste pour dire que Insta, c'est virtuel, encore une fois. Sur Internet, tout le monde peut être ce qu'ils veulent. Sur Insta, tu peux être riche, heureux, sans défaut, mannequin, artiste, professeur. Mais dans la vraie vie, t'es pas obligé d'être comme ça. So, méfiez-vous de ce qui se passe sur Internet. C'est virtuel. Tout ça, c'est virtuel. C'est la vraie vie qui compte. C'est tout ce que j'ai à dire. En vrai, je vais arrêter là parce que 16 minutes de vidéo. Je mets dans ma playlist. Je connais pas c'est qui Vladimir Cauchemar. Oui, ou Vladimir Cauchemar, c'est qui? Il a pas chanté là. Je sais pas, c'est d'être le producteur comme S.O. Le Flemme. C'est pas du Freeze Corleone, ça se voit. S'il mettait cette chanson dans un album, je vois plus vers Seth Gecko. Même si je connais pas du tout les musiques de Seth Gecko, mais voilà quoi. So, bon, j'adore. Freeze Corleone, ce que je retiens, c'est peine de mort pour tous ces prêtres cathos qui prient Satan et qui violent des enfants. Seth Gecko, c'est
Être mannequin sur Insta, c'est comme si j'étais militaire sur Call of Duty. So, big up, headshot à tous les meufs sur Insta. Non, je déconne, big up. It's all love. Il n'y a que de l'amour pour tout le monde. So, c'était Prince de Louis la soirée. Oh, j'ai sorti une nouvelle chanson. Allez, go. Trop de faux. Allez, go. Là, il faut liker, là. Allez voir ma chanson, trop de faux. Sur ma seconde chaîne, je mettrai tout cela en description. Et c'était Prince de Real Swan. Allez, ciao.